Lundi, les routiers ont ouvert le bal. Demain, jeudi, CGT Solidaire appelle les salariés à descendre une deuxième fois dans la rue. Samedi, c'est la France Insoumise qui entre en piste. Un rassemblement aux allures de test pour les insoumis. Alexis Corbière, porte-parole de ce mouvement, est ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Alexis Corbière. Mobilisation avec appel à la grève de la CGT Solidaire demain, donc une manifestation nationale samedi, pardon, c'est la marche contre le coup d'État social, intitulé officiel de votre rendez-vous, et par avance, hier, cette interview d'Emmanuel Macron depuis New York. I was very clear during my campaign about the reforms. I explained these reforms. I presented these reforms during weeks and weeks, and I was elected on these reforms. I do believe in democracy. And democracy is not in the street. I do respect those who demonstrate, but I do respect French voters and they vote for a change. Je respecte les manifestants, mais la démocratie, ce n'est pas la rue. Vous êtes d'accord? I don't agree with you, Mr. President. C'est très chic en anglais comme ça, c'est un peu. Mais non, mais premièrement, bon, faut accepter l'histoire de ce pays. S'est construite à travers des victoires électorales, des manifestations. C'est un peu éculé comme argument. Hein. Chaque fois, il y en a qui viennent dire je lâcherai pas, c'est pas la rue qui fait la loi, etc. Moi, je ne dis pas que c'est la rue qui fait la loi. C'est un peu méprisant d'ailleurs pour la rue. Mais c'est la vie démocratique qui fait que moi, je considère que attention, il n'y a pas une majorité sociale, une majorité même électorale qui s'est exprimée pour mettre en œuvre ce qu'il fait aujourd'hui. La vie démocratique, c'est pas les élections. Je suis en train de dire que oui, il y a des élections, mais je considère que l'élection de M. Macron, dont on peut reprendre, j'ai déjà fait la démonstration, c'est 24% des exprimés au premier tour, c'est-à-dire 18% des inscrits. De suite, j'en ai l'argument, oui, c'est plus que Jean-Luc Mélenchon, enfin, on parle d'Emmanuel Macron. Puis au second tour, face à Mme Le Pen, c'est heureux, il est battu, parce qu'il y a un rejet de Mme Le Pen. Après, pour modifier le code du travail, qui est quelque chose de fondamental, il en faut un peu plus, selon moi, qu'une majorité pour dire qu'il faut le faire. Et je considère même, rappelez-vous, c'était le cas lorsque le journal Le Parisien, vous voyez, les journalistes qui font bien leur travail, avaient révélé certains éléments, documents de travail de la ministre du Travail, elle avait hurlé, elle avait même menacé d'attaquer en justice les journalistes en disant « c'est pas du tout ça ». Et on avait quand même fait une campagne législative où la précision de la réforme du Code du Travail n'avait pas été... Non, mais la précision n'avait pas été donnée. Moi, je dis que c'est pas vrai, que les électeurs d'En Marche sont allés devant les électeurs. On peut ressortir les tracts tous les deux et vous verrez que j'aurais raison. Ils n'ont pas dit « voilà, on va faciliter les licenciements. Vous êtes en CDD, mais c'est possible que dans vos branches, il y ait encore plus de CDD. Vous allez subir un licenciement abusif, mais je vais plafonner du fait que vous allez toucher moins qu'auparavant. Ça servira plus à rien. » Ça, c'était dit pendant la campagne présidentielle. Je vous promets que non. Mais si. Je vous promets que non. Bah non. Nous irons plus loin que la loi El Khomri. Extrait de la présentation du programme d'Emmanuel Macron. C'était en mars. Regardez cet extrait. Je souhaite aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait dans la loi travail, qui a essentiellement concentré le tir et l'action et la simplification sur les règles du droit du travail, mais qui n'a pas touché les autres aspects de la vie de l'entreprise. Qu'est-ce que nous ferons? De manière simple, nous définirons dans la loi les normes fondamentales auxquelles personne ne peut déroger, ni ne doit déroger, qui définiront ainsi l'ordre public social. Et nous privilégierons donc les accords majoritaires d'entreprise et les accords majoritaires de branche à défaut, ce qui est une vraie déconcentration de la construction de la norme sociale. Vous avez interprété ensuite un code du travail par entreprise. Oui. C'était l'un des vos slogans des législatives. Là, le mieux qui a été fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est extrêmement flou. Il n'a pas été dit « je vais généraliser le CDD ». Il n'a pas été dit « je vais faire que dans 95% des entreprises, je vais pouvoir passer un accord sans passer même par un représentant syndical ». Directement. De toute façon, Alexis Corbière, vous avez appelé à la manifestation avant même de connaître le détail des ordonnances. C'était au début de l'été. J'avais bien raison. Parce qu'on avait quelqu'un qui disait... Vous auriez pu vous tromper. Alors, je ne suis plus là. Parce que la méthode était... Le fond allait avec la forme. Vous avez un homme qui dit... Vous parlez, au-delà de ma personne, à un parlementaire, d'accord, qui a découvert, comme tout le monde, après tout, pourquoi pas, mais enfin, c'est quand même un peu piquant, le 31 août, le détail de ça. C'est-à-dire que d'ores et déjà, on nous a réunis pendant cet été pour ne jamais discuter dans le détail, article après article, d'un document fondamental. Ce que je veux vous dire, mais on ne se convaincra pas, ce n'est pas grave, mais sur quelque chose d'aussi important, je parle du code du travail. Ça ne se fait pas à la sauvette. Ça concerne 18 millions de personnes. Ça concerne même le projet, le type de société dans lequel on va vivre. Ce n'est pas un à côté. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut prendre... Tout est dans le détail. Parce que vous, comme moi, moi-même, je fais le malin, mais je veux avoir article après article, grâce à des spécialistes du Code du Travail, les conséquences que cela a. Et ce n'est pas quelques généralités du genre on va toucher où tout le monde comprend les enjeux. Les dizaines d'heures de discussion avec les syndicats, c'était non? Les syndicats, quand on les écoute, et je sais que vous en avez fait l'écho, aucun n'est content.
aucun. De la méthode, si. Non, non, oui, non, mais la méthode, vous pouvez vous réunir pendant des heures, Patrick Cohen, je vais vous réunir pendant des heures, puis après, monsieur Lescure, puis on va tous se réunir, ou à la fin, quoi qu'il arrive. Non, mais pourquoi pas, ce sera avec plaisir, on va discuter pendant 10 heures, et je dirais, je les ai réunis, on s'est vus, avec Cohen, attention, on a parlé, puis j'ai écouté monsieur Cohen, très intéressant, je peux mettre ça en scène pendant 10 heures. Vous voulez que le résultat soit conforme à votre programme et à vos volontés. Voilà, moi, ce que je regarde, voilà, bon, ça, bon, j'imagine que vous le pensiez avant même que j'arrive, mais je, quoi qu'il en soit, ce que je pense, c'est comment explique-t-on que 3 mois après avoir été élu, déjà monsieur le président de la République, monsieur Macron, est au plus bas dans les sondages? Qu'est-ce qui se passe? Pour quelle raison? On voit bien qu'il y a un problème. Et quand problème qu'on retrouve régulièrement, quel que soit le président élu, ça, c'était la même chose avec monsieur Hollande, avec monsieur Sarkozy. Je trouve qu'il y a une méthode qui va de fond avec le projet, qui fait qu'il avance et qu'il n'a pas. C'est pas vrai qu'il a fait campagne là-dessus. C'est pas vrai que la campagne, elle a été claire. Il y a eu un profond rejet de la vieille classe politique. Quelque part, ce qui a été broyé, c'est le Parti Socialiste qui portait la loi El Khomri. Et quand on y regarde, tout de même, tout à l'heure, vous avez entendu l'argument, et je rappelle à M. Macron qu'il fait quand même 18% des électeurs inscrits. Et que vous avez il fait a le 9% au premier tour à Montreuil. Très bien, très bien. Oui, législative. Alors. Oui, et alors? Rien. Je rappelle votre score. Oui, mais quelle est la différence? Je ne dirige pas, actuellement, je ne suis pas en train de brutaliser le pays. Moi, si j'étais élu, je mettais en place une 6e République. Donc non, mais vous, c'est le bien, et Macron, c'est le mal, et donc... Non, mais vous, c'est Matignon, c'est un journaliste. Non, c'est la majorité. Non, monsieur, pardon. Mais moi, vous plaisantez. Vous ne voyez pas la différence de ce que je suis en train de vous dire? Que si moi, j'étais élu avec Jean-Luc Mélenchon, précisément parce qu'on tient compte de cette abstention, nous disions qu'il faut changer ces institutions. Nul ne peut diriger un pays avec des institutions autoritaires dans un océan d'abstention. C'est fondamental. Là, vous avez un homme. Vous avez un homme qui, lui, fait 18% des électeurs inscrits avec le plus fort taux de non-adhésion à son projet. Toutes les études l'ont montré. Mais il apparaissait comme le seul candidat qui empêchait, disait-on, le second tour Fillon-Le Pen, que beaucoup de gens ne voulaient pas. C'est une base trop faible, monsieur Cohen, que vous le compreniez ou pas, pour modifier radicalement ce pays. C'est mon opinion. Sinon, on le brutalise. Alors, vous avez raison, les institutions de la Ve République lui permettent le coup de force de nous mépriser. Il peut y avoir 1 million de personnes dans la rue, il peut ne rien lâcher, il peut le faire s'il veut. Il peut être scotché à 10% pendant 5 ans. Quel est votre scénario idéal? La démocratie. Un raz-de-marée de manifestants, voilà, un pays bloqué. Non, l'histoire, renouer tranquillement avec l'histoire de ce pays. Quand on manifeste, vous savez, en 81 oui. ou 2, quand François Mitterrand est élu, il a été élu lui aussi sur le grand service public de l'éducation nationale. Et puis il y a des gens qui ont manifesté et il a reculé. Moi, en novembre-décembre 86, j'étais un gamin qui est rentré en politique parce qu'il y avait une loi qui s'appelait le projet de Vaquet, qui voulait faire payer les droits d'inscription à l'université. On a mis 1 million d'étudiants dans la rue et Chirac a reculé. Les cimetières politiques sont pleins de lois adoptées où soi-disant le type avait pris la posture, je ne lâcherai pas. Et à la fin, il a reculé. Parce que après, ce qui reste, avec un P majuscule, c'est la politique. J'invite M. Macron à comprendre l'état du pays. Moi, je crois, je peux me tromper, il a le droit de dire que Corbière est un imbécile, j'irai jusqu'au bout. Très bien. Mais ce pays est blessé par la précarité, est blessé par le chômage de masse. Et son projet de loi va cannibaliser des emplois et les transformer en emplois précaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'offre, la possibilité qui est donnée pour beaucoup d'employeurs, ça va être non plus de créer des CDI, mais d'embaucher tout le monde en CDD, de les garder longtemps, pour mes enfants, pour vous même, pour vous, et même vous, monsieur Cohen, j'imagine que vous ne voulez pas d'une société où tout le monde est en CDD. Je vous demandais quel était votre scénario idéal, vous êtes prof d'histoire, ouais. 95, 1848. Mais non, mais j'en sais rien. Jean-Luc Mélenchon est persuadé que Macron, président des riches, pourrait subir le sort de Guizot, dernier président du Conseil, vous le savez, de la monarchie de Juillet, renversé par la révolution de 1848. Oui, mais ça, c'est des formules. Vous savez, non, l'histoire ne se reproduit jamais. La première Victor fois Hugo, comme une tragédie, 48, il l'a cité quand dans elle un se reproduit la première fois, c'est comme une tragédie, la deuxième fois comme une farce. Non, il faut écrire des choses nouvelles. Non, mais on va rester tranquille parce que j'ai entendu qu'il y avait une volonté de dire. Écoutez, la parole que je tiens est la parole d'un homme un peu classique, d'un opposant, qui dit, voilà, je pense qu'il n'est pas majoritaire là-dessus, je pense que les mobilisations sont nécessaires, qu'il peut y avoir une protestation de masse qui amène à ce que le pouvoir politique se dit, oulala, j'observe que quand les routiers se sont mobilisés il y a quelques jours, ils sont sortis en disant que peut-être quand même qu'ils allaient être sortis des ordonnances, donc c'est la preuve que cette mobilisation des routiers, vous n'êtes pas monté au créneau en vous disant, c'est scandaleux, c'est antidémocratique. Et les routiers, quelle est la différence peut-être avec d'autres, c'est que le pays... Quand ils se mobilisent, ça pèse. Donc je lance un signal à tout le monde, les amis, regardez, quand on se mobilise, peut-être qu'on peut obtenir des choses. Les raffineries, comme l'an dernier, un mois de blocage des raffineries, ça n'avait pas fait bouger la loi. Oui, mais ça a fait en sorte que le Parti Socialiste va vendre son local tellement il a été rejeté à cause de ça, vous voyez. Ça, tout a des conséquences politiques. On peut brutaliser le peuple, dire les mecs, les raffineries, vous êtes des méprisants, faire comme M. Carvounas du PS, dire la CGT est une secte d'imbéciles, etc. On peut faire ça. Vous vous souvenez comme il avait méprisé la CGT en disant que c'était...
je ne sais plus que tu avais dit des bureaucrates, il avait des mots extrêmement durs. Oui. Ça m'amuse aujourd'hui par rapport à ce qui, au discours qu'il veut tenir. Bref, ça a eu quoi comme conséquence? Que le Parti socialiste aux élections législatives, on va reparler chiffres, législatives, je ne prends même plus du score de Benoît Hamon, il a fait 3,5% des électeurs inscrits. Ils ont tellement pris une veste que Solferino, qui est quand même fait partie de la grande histoire de la gauche de ce pays, n'est même plus dimensionné pour ce possible. Vous en réjouissez? Non, non, je vais réjouir. C'est, ça, les conséquences politiques d'actes, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon ni Alexis Corbière, c'est eux. C'est leur arrogance au pouvoir. Ils avaient tout il y a 5 ans. L'Assemblée nationale, la région, le Sénat. Et nous, quand je parlais, ils me prenaient pour un imbécile, un minable, un minus. Avec Mélenchon, on n'était rien. Ils avaient tout. Vous vous souvenez, tous ces barons puissants et satisfaits d'eux-mêmes. Et nous leur avons dit, votre politique va non seulement mettre le pays dans le mur, mais vous autodétruira. Et aujourd'hui, on en est là. C'est quand même nous qui avions raison, hein, plutôt qu'eux. Mais moi, je m'en fiche du Parti socialiste. Ce que je veux dire, c'est qu'il arrivera, y compris à M. Macron. Moi, je la vois, cette majorité arrogante, 310 personnes. Ils pensent qu'ils ont tout. Et je leur dis, les amis, le pays n'est pas ça. C'est pas, ne brutalisez pas ce pays. Moi, je ne crois pas. Vous n'en êtes pas convaincus. Mais non, je ne suis pas convaincu. Je regarde les chiffres. Voilà, vous avez 10% des députés. Vous êtes une force importante et une première force d'opposition. Mais le nombre de députés. Vous savez qu'on a fait plus de voix que le Parti socialiste et on a la moitié moins de députés, par exemple. Je sais. Vous voyez, donc le nombre de députés. Le Front National a fait 10 millions de voix, ils ont 8 députés. Vous voyez, c'est mon adversaire, le Front National. Oui. Mais pour autant, c'est pas vrai que ce pays est ultra majoritairement en marche, c'est pas vrai. Donc, comment dirais-je, je respecte bien sûr le débat parlementaire, on essaie même de le faire vivre, on rédige des amendements toute la nuit, aucun n'en est pris en compte, ils n'en ont rien à fiche, ils méprisent la vie parlementaire. Mais au moins, on utilise après des outils pour que moi je sois un bon parlementaire. Écoutez, du moins, je pense qu'il est utile qu'il y ait une respiration démocratique. Patrick Cohen, vous êtes de la même génération que moi, on parle de choses banales, on en a vu des manifestations, vous avez manifesté dans votre vie, et quand vous manifestiez, vous ne disiez pas « je suis en train de faire un acte antidémocratique », vous disiez comme tout bon Français, et c'est une particularité nationale, et j'en suis fier, eh bien à un moment donné, bien sûr qu'il y a des élections, mais il y a aussi un peuple qui reste mobilisé. Chez les Insoumis, il y a des personnalités fortes, il y a Jean-Luc Mélenchon, vous, Alexis Corbière, c'est un gentil garçon, et Raquel Garrido, Raquel Garrido, ah, qui fait de plus en plus entendre sa voix. Vous êtes en couple avec Raquel Garrido, un couple auquel ce matin BFM TV a consacré un reportage, regardez. Ah bon. Ça va, Monsieur Corbière ? Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis. Jean-Luc Mélenchon les surnomme ses petits chéris. Il y a une énorme cohue autour de Jean-Luc. Ouais. Chez ce couple de snipers, on fait de la politique du matin au soir. On analyse l'actualité au quotidien. Voilà. On peut forger nous-mêmes une argumentation, une idée, etc. Je peux dire à quel ça. Moi, des fois, Alexis, j'aime bien. Il teste ses bons mots aussi, parce que comme il aime les bons mots, les rimes et tout ça, il teste sur moi. On peut s'étonner de pouvoir médiatiser votre couple. Ouais, on peut s'étonner. Et je veux. Ah, et on ne va plus le faire. Non, mais c'est, y compris ça, c'était un reportage sur Raquel. C'est très bien. Je veux dire, pendant 20 ans, Raquel et moi, on est militants et on se connaît. C'était pas connu qu'on était ensemble. Je vois bien que là, qu'il y a un petit autre chose qui est en train de se jouer, que je ne voudrais pas que ça fasse écran avec l'essentiel. Il y a une manifestation en 23. Mm-hmm. Le couple Raquel-Alexis, c'est pas intéressant comme sujet. C'est intéressant, vous avez posé non, pour Paris March, c'était en mars dernier. Mais... Le Point vous consacre un papier. C'est un peu le même papier d'ailleurs, une exception. Le même titre et tout. Ouais, les amoureux chez la France Insoumise. Juste... Où voulez-vous j'en veux. Il y a un élément qui m'a un peu étonnée, c'est que votre épouse n'a rien lâché. Elle vous a prévenu, je ne serai pas une femme au foyer, ce qui a posé un problème dans votre couple, parce que vous ne vouliez pas embaucher une femme de ménage, vous en faisiez une question de principe. C'est ce qui s'appelle finalement un compromis. Voilà. Non, mais typiquement, c'est le genre de truc, je pense que, vraiment, que ça n'intéresse personne. Voilà. Bah, si, vous avez répondu en tout cas à ces questions. Oui, mais je veux dire, c'est très bien. Vous avez même raconté que vos filles vous appelaient l'insoumis à la maison. Oui, d'accord, mais c'est parce que j'adore mes filles, c'est une blague. Non, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut mesurer un peu les choses. Il y a eu quelques articles très bien. Parce qu'après tout, on n'allait pas mentir là-dessus. Voilà, et puis on ne va pas en faire en fromage, pardon de l'expression, parce qu'au bout d'un moment, je vois bien ce qui se joue, on en vient, typiquement le sujet que vous évoquez, bon, dans un article, dans un journal qu'on achète, un hebdo, les gens le lisent, venir à la télé pour raconter ça... Mais en même temps, il y a une peopleisation de ces femmes. Mais il y a une partie de chaque secte, c'est la raison pour laquelle on a un peu joué le jeu. Vous êtes en train de devenir des people, tous les deux. Bon, très bien, mais il y a une partie que... Je ne sais pas si c'est bien, c'est vous qui voyez. Mais je n'ai pas envie de ça. Typiquement, mais je comprends que vous me posez la question... Vous avez mis le doigt dedans. Hein. Voilà, non, mais après, à chacun de mesurer les choses... On l'a fait un peu parce que ça pouvait avoir un aspect sympa sur le fait que. Et vous n'êtes pas les premiers à le faire. Oui, sur le fait qu'en politique, beaucoup de gens que je connais, la politique a pu s'entraîner un divorce de leur part et beaucoup de blessures, etc. Et l'un s'efface, l'autre prend la lumière. Et vous, voilà, c'est pas le cas. Nous, on essaye de faire vivre un truc, machin.
Une fois qu'on a dit ça, ça c'est un peu sympa de le raconter, très bien, on s'est prêté au jeu. Je ne crois pas, typiquement, quand à quelques jours il y a des manifestations, que ma vie privée, et au bout d'un moment, si c'est ça, je le regrette, et je réponds, mais j'aimerais que... Parce que ce n'est pas correct, je peux raconter ma vie hein, pendant des heures, ça va faire bien, et puis vous allez me réinviter, pourquoi pas nous inviter tous les deux, Raquel et on moi. On a été surpris, on voulait vous poser la question, Et gentiment, on a dit non. Voilà. Et je pense qu'au bout d'un moment, il ne faut pas le faire. Voilà, c'est une ligne de crête, ça vaut ce que ça vaut. Je n'irai pas sur un plateau télé raconter ma vie privée avec Raquel. Voilà. Bon.